compa-events.com. Mesdames et messieurs, nous saluons aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir sur Compa Events. Nous connaissons notre troisième édition festival qu'a fait Montréal. Nous connaissons un festival qui réunit un peu de monde si nous regardons derrière de nous, nous regardons alentour de nous-mêmes. Vraiment, ce paquet de monde, un paquet de flâneurs, Wilfried qui est derrière de nous. Et avant, nous avons des amis là. Monsieur, comment nous sommes en forme? Nous posons la plainte pour nous faire. Ok, et troisième jour festival là, bah nous impressionnons. Bon, festival là, tout va bien marcher là. Et puis, parce qu'on va pas se représenter, tout va tout en forme. Et puis, on a bien fait. Bah nous impression de troisième jour festival là. Nous avons des choses, son culturier. On a bien passé. Et puis, on a bien joué le festival là. Et tout le monde fait déplacement, mais température là, on est déjà en demoiselle, on ne peut pas déplacer en masse. Mais tout va bien passer là. Voilà, c'est des amis qui vivent à Montréal. Festival Montréal, c'est troisième jour. Troisième jour, un pile de monde a fait déplacement, un pile de monde aujourd'hui. Nous avons plusieurs monde, nous essayons. Bonsoir, et nous avons des amis, nous, Lily, qui sont actrices, qui sont très connues dans le milieu. Là. Lily, bah nous, Lily, bah nous, impression de troisième jour festival là. Mon cher, cher téléspectateur, avec la lumière, le micro. Non, pas lui, Hervé, oui, je sais, mais tu le mets trop proche de ma bouche. Non, et que ça allait pas sur Game, oui. Alors, Kounia, la Walmi, tu es tout barré ça là, sur Facebook. Allez. Non, c'est Compa Events. Oh, Compa Events. Yeah. Alors, comme nous, là, ça fait comme une heure de temps là, et puis il a bien passé. En pile le monde, bon, dans ce moment-là, c'est là pour la soupe, pas là, bon, désolé. Moi, ma ben joy pour tout haïtien qui parle là. Qu'est-ce qu'on pense de l'avenir festival ça? Mais sincèrement, c'est la troisième édition, hein, mais je pense que l'année prochaine ou l'année prochaine, dans deux ans encore, je pense que l'équipe a mieux parce que vous avez déjà haïtien. Et bien, de toute façon, tout peu à peu, ben, l'oiseau va faire son nid. Napton, mais pour l'instant, là, moi, je enjoy. Hervé. Merci, Lily. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes Compa Events. Compa Events, nous connaissons qui est toujours dans tout event, tout côté de Bayoye. Vraiment, nous toujours chercher information pour vous. Nous avons comprendre ce qui a passé. Nous avons essayé de vivre vraiment ce qui a fait là. Nous avons vivre un paquet d'amis, réaction au paquet d'amis qui a fait là. Les amis, comment vous êtes? Vous êtes Dominique Savio, moi je connais bien, vous êtes capable de vous êtes Compa Events, comment vous êtes? En forme. Et bien, nous impression de Festival Montréal là. Je trouve très bien, mais seul critique que je suis capable de faire, je trouve, par exemple, avec Rap Creole qui a monté là, conseil de ne pas percer au même quoi fantôme moins zila ou ta mettre men blizzon ça t'a pas tiré plus jeune pas faut pas oublier tranche 18 à 25 ans rappela plus attiré que compa c'est plus 30 à 45 ans c'est nous même qui puis tendel et plus c'est impression ça mais jusqu'à présent trouver le bon vous trouvez le bon et qui impression de avenir festival ça bon me trouver que avenir très prometteur parce que jusqu'à présent, je suis capable de dire au point de vue d'organisation, c'est pas mal. Le son, c'est bon. Mais ce que je n'aime pas tout à fait, c'est au niveau de prix. Si on avait fixé le festival à un prix fixe, ce serait encore mieux. Okay. Yeah, yeah. Okay. C'est merci. Merci mille pour l'impression. Ou son mangeur de blé. Merci, mesdames et messieurs. Nous continuons vraiment. Nous enjoy. Si nous regardons ensemble de Mounio là, nous allons là. Et mesdames et messieurs. Ça va bien. Et bonne impression de Festival Montréal là. Compa Events. Bon, nous saluons la planta, nous content. Wow, on a ça avec moi en passant. Bon, festival là, normalement, année ça, je trouvais que il y a moins de monde que l'année passée. Ah bon? L'année passée, je trouvais qu'il y a plus de monde que l'année ça. Je ne sais pas si on a venu plus un peu vers le temps parce que je demandais pour Compa Créole. Donc, mais quand même, parce que l'année passée, il y a plus de monde. Mais pourtant, je regarde les prestations de jazz de l'année ça. Nous devons mieux performer que l'année passée. Nous remercions Bill. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes à Montréal, live à Montréal, la troisième édition de Festival International Musique Créole. Vraiment, nous connaissons un groupe là qui parle performer. Et Wilfried, à nous, grand peuple là, moi, c'est grand pile mon assuré là. Vraiment, grand pile mon là. Qui fait déplacement à Soya dans le festival de Montréal. Si nous regardons, dans l'ensemble, il y a pile de monde là qui fait déplacement. Nous très contents d'avoir à Soya. À Soya. Et à présent, Wilfried, c'est Black Parents qui peut performer là. N'a viré. Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à
une activité haïtienne? C'est le troisième festival que je fais. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Alors, c'est quoi ton avis? C'est très bien. Moi, fanatique jazz. Pour de vrai? Oui, oui, oui. T'aimes ça, les Haïtiens? Oui, j'aime beaucoup les Haïtiens. Alors, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.